Excuse-moi, Valère, c'est ça? Ouais, c'est moi. Je peux m'asseoir? Vas-y, vas-y, pas de soucis. Ah, cool. Je t'ai vu sur le tournage, là. Ah. T'es en pause, toi aussi, là? Ouais, je suis en pause, ouais. Tu viens d'où? Ah, moi, je suis de Lyon, moi, à la base. Ah ouais, Lyon? Moi, je connais pas. Tu connais pas? Non, je connais pas Lyon. Je suis du Tonkin, Villeurbanne, c'est juste à côté, en fait, mais... Ok, je connais toujours pas, ça me dit rien. Ok. Et toi? Ah, moi, je suis d'ici. T'es d'ici? Bah ouais, de Porquerolles. Trop bien. Ouais, c'est cool. Et toi, tu fais quoi sur ton âge, du coup, un peu? Bah, je suis acteur, mon gars, ça se voit pas. Bah, tu m'as pas vu sur le plateau? Bah, t'as un micro. Eh, toi aussi, t'as un micro. Bah oui. On reprend quand le tournage, du coup? Dans 2 heures, je crois bien. Tu vois, à l'époque, on se contentait d'une barque. Mais l'homme, il voit toujours tout en plus grand. Tu vois ce phare bleu là-bas? Bleu ouais. Et jaune? Ouais, ouais. C'est mon arrière-grand-père qui l'a peint à la main. Lui, là-bas, là. Mais comment ça? Ben à la main. Ah genre ouais. Avec un pinceau. Ah. Et du coup, il a rencontré ma grand-mère parce qu'elle peignait le petit phare qui est sur l'île là-bas là. Et genre du coup, avec les lampes, ils se parlaient en code morse. Et ils s'envoyaient des « t'es belle, je t'aime » et tout. C'était des scouts? Non, c'était des peigneurs de phare. T'écoutes quand je te parle? Ah, c'est dur à suivre. Tu te rends compte que d'ici on voit quand même la presqu'île de Gien quoi. Presqu'île de quoi? Gien. Je connais pas. Bah c'est l'île là-bas, la presqu'île là-bas. Ah c'est le fameux double tombolo. Tombolo? Ah oui putain bah, c'est oui, vrai c'est ça. La presqu'île de Gien. Ouais. Okay. Ouais c'est ça. T'as une copine du coup? Non je suis divorcé. Ah merde, depuis quand? Depuis une semaine ou deux. C'est, ouais, tout c'est récent, hein, c'est frais encore. Putain. Ouais. Ouais, mon gars, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, il y en aura d'autres. D'autres vies? D'autres meufs? Peut-être. Oh putain. Et qui veut shooter la mouette? T'as essayé de l'assassiner là? Est-ce que tu savais que Marlon Brando ne voulait pas venir sur le tournage de Apocalypse Now parce qu'il se trouvait trop gros? Et du coup, il voulait pas apparaître à l'image comme ça. Je savais pas. Tu savais pas? Bah tu sais maintenant. Et tu vois qui c'est John Wayne, le cow-boy là, dans les films? Ouais, carrément. Bah dans le film Rio Lobo, un des derniers qu'il ait tourné du style, il était tellement en surpoids et en mauvaise santé qu'en fait, entre chaque prise, il devait descendre son cheval, se reposer avec l'aide de techniciens. Puisque sinon, il s'endormait direct dessus, quoi. S'endormait sur le cheval? Ouais. Ok. Attends, je regarde l'heure. Putain. Ouais, 17h30, en tout cas, je serais rentré. Ça, c'est... Pardon? Bon bah allez, à toutes. Chargeur de 20 watts mon gars. Pour une recharge rapide et fiable. D'ailleurs tu t'es pas fait, depuis le peu de temps que t'es là, tu t'es pas fait la remarque sur les chiens de l'île? De quoi? Genre, t'as pas remarqué? Tout à l'heure hein, quand on se baladait, il y avait 3 chiens saucisses. Ah ouais, mais tu serais pas un peu grossophobe toi? Non, j'ai l'air grossophobe. Bah, tout ce que tu me dis là. C'est parce que je t'ai parlé de Marlon Brando juste avant? Ouais. Tiens, regarde. J'ai l'air gros là. Bah, il y a un petit bidon là quand même. Bah, non, il n'y a pas de bidon. Il y a 6 mois de sèche, mon gars. Salade, courgette, tomate, oignon, matin, midi et soir. Kebab? Toi, du coup, t'avais fait une école d'acting? Ouais, je fais cours Florent à Paname. Ah.
Et toi, t'as fait comment? Bah rien, j'ai eu de la chance. Mon père connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Voilà. Et au bout, il y avait quelqu'un qui faisait. Ok, c'est pour ça alors. Ah, c'est comme ça que ça marche, hein. Ouais, ouais, mais pourquoi? Quand tu me regardes, j'ai pas l'air d'avoir fait une école, je joue pas assez bien. Bah, des fois on se demande pourquoi t'es là, quoi. Ah non. Pas quelqu'un qui s'est noyé, quand même. Ouais, je pense qu'il y aurait son corps sur la plage. Ouais. Le sable de mes ancêtres. Noir comme le cœur des hommes. Tu sais à quoi il me fait penser, ce sable? Aux mineurs de charbon qu'on envoyait dans les mines souffrir et s'étouffer pendant que les riches en costard noir, justement, du noir qui était faite, dont la teinture était faite grâce au charbon, s'enrichissaient sur leur dos. Ouais, on devrait pas trop tarder là. Ouais, ils doivent nous attendre. Ouais. Là, ouais. Il y a le tournage, faut rentrer, faut ouais. Qu'on y aille. Ouais. Bon, ça t'a plu la visite? Ouais, sympa. Après, okay. J'ai aucune idée d'où je suis là. Ouais, bah t'inquiète, je te raccompagne.